c'est un nouvel épisode YouTube, on repart à l'aventure. On va aller chercher ça, maintenant qu'on a libéré le garde qui était à côté. On va aller chercher ce qui se passe par là-bas. Et on va chercher du sol ici. Peut-être pas dans cet ordre. On va d'abord aller chercher ça, après on va aller chercher ça. Et après on va aller chercher ce qui se passe par là-bas s'il reste de la place dans l'inventaire. Voilà le projet du jour. Ouais, il faudra qu'on récupère toute la chitine qui traîne partout à un moment donné. Il va nous falloir aussi de l'herbe bientôt, mais tant que ça va, en fait, tant que ça va, on va pas s'embêter de ce côté. Là, il y avait une fourche, c'est vrai que j'aurais pu prendre celle-ci. Quitte à m'embrouiller avec tous les gardes du coin, de toute façon. Bonjour. Je me rappelais plus qu'on était fâchés, nous. Là, les baies. Les pogs ne sont pas présents. Bah oui, mais tu peux, à tout moment, tu pars en expédition, tu peux en ramener un, en avoir un qui te suit. Et après, t'es obligé de le tuer. Alors qu'en fait, c'est pratique de l'avoir qui traîne autour de chez toi. Enfin, c'est pratique. C'est pas si chiant. Ça sert de leurre. Ça peut gérer les bestioles. Certaines, au moins. Paf. Tiens. Ça, c'est bon. Et ensuite, pitchfork. Et on va récupérer, je pense, 2, 3. On va prendre 2 stacks de 10, à mon avis, ça serait pas mal. On va descendre à 80% sur la fourche. Ça va, parce qu'ils sont pas rentenus, on peut leur retirer tout leur plancher, ça leur pose pas de problème. Je sais pas si on peut récupérer ça à part aussi. Si, parfait, 2. Là, on va prendre 10. C'est de la rénovation. Et un petit dernier quelque part. Voyons voir, j'ai combien là? Je devrais avoir 20 de route. Ah, chauve-souris. Est-ce que je veux me faire attaquer par les chauves-souris? Ou est-ce que je veux que ça soit géré par quelqu'un d'autre? Le problème, c'est qu'à ce moment de la journée, si c'est géré par quelqu'un d'autre, tout va prendre feu. Et ça peut être intéressant de récupérer le matériel. On a récupéré une aile de chauve-souris dans tout ça, c'est très bien ça. Tac. Hop. Et on n'a pas perdu trop de points de vie. J'aurais dit vandalisme. Mais non, c'est pas du vandalisme puisque ça nous permet de rénover ailleurs.
Flatstone et Rodstone, donc deux Flatstone. C'est ça, hein, et deux et une Rodstone, je crois. Pour tomber juste de tout. Deux Flatstone et une Rod. Rod. Rodstone. Hop. Je me demande, parce que j'ai déjà expérimenté que si on replante ces trucs-là dans le sol comme ça, ça fait des turfs comme ça. Donc des turfs qu'il faut retirer à la machette. Je me demande si j'emmène ce sol-là, est-ce que ça fait des turfs bien? La réponse tout de suite. De toute façon, j'ai besoin de déraciner un peu d'herbe parce que je manque d'herbe. Et j'ai pas de machette. Tac, tiens. Hop. On est bon. Et ben on repart. Tiens, Robin. Allô? On va garder ça à la main. Hop. Je sais pas s'il y avait beaucoup d'autres bouses, mais comme je suis embrouillée un peu avec tous les gardes du coin, je vais peut-être pas trop m'éterniser par ici. Tac, tac, tac. Eh bien, retour à la base, encore une fois. On est jour 19, dans 3 jours on change de saison. J'ai pas encore assez, à mon goût, de... J'ai pas encore, à mon goût, assez de... Je cherche mes mots, c'est chiant. Needle, pour tenir ma saison, la saison suivante tranquille. Donc c'est pas grave, mais ça veut dire qu'on va passer du temps avec la fièvre. Avec la fièvre. Pardon, Robin. T'y es pour rien, je sais. C'est un lamentable malentendu. Des peaux de cochon. Toujours plus de peaux de cochon. Dans quoi je les ai mises? Forcément un endroit où j'ai foutu des peaux de cochon. Mais je ne sais pas où. Voilà. Les bouses. C'est pas là non plus. Voilà. Et on va refaire une ferme, du coup. Avec ça. Tac. Hop. Ok. Pouf, pouf, pouf. Et ça, c'est pour refaire un compas. Donc, il va falloir aller chercher... Mais c'est pourquoi j'ai ramassé ça? Ah oui, parce que je voulais ramasser ça. Tac. Tac. Ok. La fourche, j'en ai pas... besoin, si ce n'est que maintenant on va s'en servir tout de suite, là tout de suite maintenant, parce qu'on va vider. On va laisser ça par terre en attendant. On a ramené plein des buissons, on va les replanter tout de suite. Et une viande de monstre.
faire. Vous remarquerez que je soigne un peu vos tocs et que j'essaye d'aligner mes trucs. J'espère que vous appréciez l'effort. Bon, j'ai dit j'essaye. Hein. Je vais rester ici jusqu'à que... voilà, jusqu'à ce qu'il pleuve pour que je puisse récolter les nettles s'il y en a. Qui pop. Ensuite. Tac. Tac, tac, tac. Il doit y avoir d'autres boosts quelque part là. Alors, c'est pas le plus opti de faire ça avec de la bouse, mais c'est pas grave. L'important, c'est que ça soit fait. C'est le but. Hop. Tac, tac, tac. Alors, voyons voir. La fourche, du coup, on a dit... ben, je vais rester encore un peu dans le coin. En attendant. D'espérer... Mes tocs te remercient grandement. Bon, j'ai dit que j'essayais. Malheureusement, je suis pas... ça reste des bonnes de la bonne volonté, mais... j'avoue que je vais pas y passer non plus trop de temps. Très bien. On n'est pas trop mal. On va faire aussi ce qui est là, peut-être. Voilà, c'est pas mal ça. Ça va faire un très bon combustible pour plus tard. Là encore un peu. Voilà. Très bien. Il y a de bons risques pour que celui-là se fasse bouffer si jamais il y a un insecte qui vient jusqu'ici, mais c'est pas très grave. Ici, on va récolter ça et remettre dès maintenant à pousser. Et on va aller pouvoir récolter ceci. On refera peut-être une petite sortie pour aller dans les ruines. Plus loin. Chercher... un légume, un œuf. J'ai pas d'œuf, hein, non. Donc non. On va plutôt mettre un légume et une brindille. Tac. Du coup, ça pour l'instant par là-bas. J'ai pas beaucoup de nettles dans le coin, malheureusement. Et ceux qui restent n'ont pas fini de pousser encore. Non.
J'ai pas l'impression qu'ils poussent tous d'ailleurs. Il faudrait que je regarde sur plusieurs trucs d'affilée. Bref. Ça s'arrange. Et je veux du coup maintenant aller chercher. Ça, j'en ai plus besoin. Et une brindille. Et ça le temps. On va équiper ça pour faire remonter un peu la santé mentale. Et je vais aller chercher. Du coup, le marteau, j'en ai plus besoin. Ça, j'en ai pas besoin pour le moment pour ce que je vais faire. Tac, tac, tac. Vite fait, allez prendre le bateau pour récolter. Des trucs. C'est-à-dire du roseau. Quand je dis des trucs, c'est du roseau. Au moins deux roseaux, ça serait pas mal. On va prendre aussi des fleurs de lotus, ça va être bon pour notre santé mentale. Si j'ai 6 roseaux, je vais prendre 6 roseaux. C'est bon, il y a tout ce qu'il faut. Il faudrait que j'aille voir aussi de l'autre côté ce qui s'y passe, bien sûr, mais... Je suis pas sûre que ce soit l'urgence. Caca. On va les mettre là. Hardshell, ça va venir ici. Hop. Ta-ta-dam. On va mettre ça. Voilà, la santé mentale, ça va un peu mieux. La viande de monstre, on sait pas ce qu'on va en faire. Ça, on récupère maintenant pour faire un compas. Deux peaux de cochon. Tac. Voilà, ça c'est cool. Et
Là, j'ai de l'herbe, on va en récupérer maintenant, comme ça on se promène pas sans herbe, c'est mieux. Ça, ça peut attendre ici. Là, c'est pas mûr, par contre on va aller chercher les autres là-bas et là-bas avec une pelle que j'ai déposée par là. Et on va emporter aussi Robin. Tu viens avec moi, Robin, ou pas? Oui. On va dropper ça, par contre. Quelque part. Hop. Ça, on n'en a pas besoin. Ok, par là. Le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de visibilité, donc vu la dangerosité du coin, on va y aller avec beaucoup de prudence. Ça, c'est bon. On va aller là-bas. J'ai pas emporté mon marteau, du coup. J'ai pas emporté mon marteau. Il y a du nickel, mais alors pour aller le choper au milieu. Aïe. C'est bon, j'ai récupéré. Et ensuite, on va partir à là-haut ou en bas? Non, là-haut, parce que je suis sûre de trouver du nitel, je pense. Du coup, c'est plus prudent. En route. Je vais pas déraciner ceux-ci qui sont proches. Et je vais tracer ma route plein nord. Qui va bientôt faire nuit. C'est un peu chiant qu'il y ait autant d'insectes, mais je prends le risque, j'avoue. Il y en a beaucoup trop. J'aurais dû prendre mon bug bigo. J'aurais dû le prendre. Oh, oh là là. Il se fait déboîter, le pauvre. Pauvre Robin. Il va tellement y mourir. Cours, Robin, cours! Il est mort? Je crois qu'il est mort. Non? Peut-être pas. Il est pas mort. On va récolter ça puisqu'il y est. Il y a du fight, hein. On va essayer de retourner par là-bas. Rebonjour.
On s'était perdu de vue, non? Ok. Les laisser s'embrouiller hein, les uns avec les autres. Oh, il y en a beaucoup trop. Non, c'est mort. On va rentrer tranquillement. Sagement. J'ai pas le temps de ramasser. Oh, Robin quoi. Pauvre Robin. Ce que je peux faire, c'est passer du côté. Déjà ici. Allez, viens Robin. Courage. Il me sert tellement bien de l'heure, le pauvre. Voilà. Il y en a encore d'autres qui arrivent. On va y arriver. Tout ça pour quelques nittles. Mais ça peut tellement nous sauver la vie sur la prochaine saison. Et comme on n'a pas de quoi les faire pousser nous-mêmes, faut vraiment que je les récupère maintenant, en fait. Sinon, ça va être chiant après. Allez, pendant que c'est humide, vite fait... Plein sud. On y arrive, on y arrive. Par contre, vu que je suis trempée, je prends cher en santé mentale, mais ça... c'est un peu le lot de cette extension, j'ai envie de dire. De passer son temps trempé. Est-ce que celle-ci, j'ai pu la récupérer? Oui. Alors, il y a du nectar à récupérer, ça serait parfait. Il doit y en avoir un peu partout d'ailleurs, sans doute, qui traîne. Pauvre Robin. Viens là, Robin, viens là. Viens là. Hop. Ok, ok, ok. Quoi? Oh, mais je suis pas méchante, moi. Je rentre, je rentre, je rentre chez moi, je rentre chez moi. Oubliez-moi. Ok. Alors, je regarde le chat, je me rends compte que ça fait longtemps que j'ai pas regardé le chat, mais là, c'est évidemment un peu tricky. Ah, le terror break a disparu. C'est injuste. J'allais le tuer en plus, je suis sûre. Parfois on est content qu'il disparaisse, non? Ok.
J'avoue, j'ai décidé de tout tanker. La flemme d'esquiver était présente. Voilà. Bon. Parapluie. Séchage. On va essayer de se sécher rapidement pour la santé mentale. Mon sac à dos. Hop là, bonjour. On est pas mal 39. Alors, nickel. Tac tac. Et une brindille pour faire un fish stick. Des cailloux. Pour faire encore une ferme. Je voudrais dropper ça. Et récupérer ça. Ok. Changement de saison. Et vite fait, encore un peu de needle. Ça, c'est cool. Alors. On va manger ça, c'est bon pour ma santé mentale. Pour le peu que... Voilà. On va équiper ça pour faire remonter aussi la santé mentale. Tac. Deux comme ça, une viande de monstre. Non, pas une viande de monstre. Deux comme ça et... Déjà, c'est le début des lianes chiantes. J'ai pas eu le temps, mais j'aurais voulu tracer la route de là à en bas, là, pour être tranquille. J'ai pas eu le temps. Ok, il va y avoir du vent, donc il faut faire encore des coffres. Hein. Il n'y a pas 36 solutions. J'ai une hache ici. 25%. On va abandonner ça. On va abandonner ça. On va abandonner ça. Il me faut pas mal de coffres. Allez, c'est parti. J'ai pas une autre hache, j'ai que celle-là. Ah si, là-bas. Voyons voir. Non, 3%, ça m'intéresse pas. J'ai pas remis de graines. Elle est trop bien la musique. Tac, tac. Tac, tac. Ici, il va falloir taper dedans. Ok.
Donc, ça on en a pas besoin. Tac, ça je la garde à 2% parce que j'en aurai besoin plus tard. On va attendre les chauves-souris. On a fini. Alors, l'aile de chauve-souris, ça serait cool d'en faire quelque chose, mais honnêtement, j'ai déjà deux calls. J'en ai pas besoin d'un de plus. Ça, j'en ai plus besoin. Du coup, terminé. Ça, on range. Ça, pour l'instant, ça reste par terre. Je rééquipe mon sac à dos que j'ai abandonné sans doute quelque part dans le coin, là. C'est ça que je voulais faire. Là. C'est vrai qu'il faudrait que je finisse de faire ça là. Des racines et tout pour arrêter d'avoir des pops sans arrêt de bestioles. On est à combien de temps? Épisode suivant pour YouTube.